Comment nous pouvons nourrir nos maris, nos enfants, nos familles? Nous allons nous mettre de tout la question. Alléluia. Alléluia. Pour toi, maman, cet après-midi. Amen. Vraiment, bienvenue dans la présence de Dieu. Moi, j'évolue, je suis responsable des mamans dans l'église Pentecostal Church of Redemption. Et là, vraiment, Dieu nous fait grâce. Nous sommes en train de travailler pour le Seigneur. Amen. Vraiment, je sais que Dieu va nous faire du bien. Amen. Qui croit que Jésus est présent dans ces lieux? Qui croit que Jésus est là? Moi aussi, je le crois. Amen. Vraiment, ne sois pas distraite, ne sois pas distrait, parce que je sais que quelque chose va se passer cet après-midi. C'est la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte est là. Sois seulement connecté. Amen. Amen, amen. Sans plus tarder, je voulais vraiment poser une question à une maman cet après-midi et de savoir qui aime la bénédiction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la bénédiction? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime vraiment la bénédiction? Quelqu'un qui aime la bénédiction? Parce que moi aussi, j'aime la bénédiction. Amen. Je sais que nous voulons tous avoir des enfants, de maris, de femmes. Nous voulons avoir de belles maisons, de belles voitures. Amen. Nous souhaitons que Dieu nous utilise puissamment dans l'œuvre de Dieu aussi. Amen, amen. Mais la volonté de Dieu est que nous, nous soyons aussi bénis. Amen. Dieu a créé l'homme et la femme. La Bible déclare qu'il les plaça dans le jardin d'Éden et il les bénit. Amen. Dieu a béni Adam, Dieu a béni Ève. Amen, amen. Cet après-midi, la volonté de Dieu est que toi aussi, tu sois béni. Amen. La volonté de Dieu est que toi aussi, tu sois béni. Que ça soit financièrement, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, maman. Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Amen. Voilà pourquoi il t'a appelé dans sa présence cet après-midi. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans Genèse. Amen. Nous sommes dans Genèse 12, à partir du verset 1 jusqu'à 2, maman. Amen. Amen, amen. Dans ma Bible, le verset 2, la Bible déclare dans le dernier passage que tu seras une source de bénédiction. Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Alléluia. Quand Dieu nous bénit, bien-aimés, Dieu n'est pas égoïste. Quand Dieu me bénit, il pense aussi à la personne qui est à côté de moi. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, si moi je suis béni, je veux bénir aussi la personne qui est à côté de moi. Amen. Maman, ta source doit couler. Comme maman nous l'avait dit hier, que la source doit jaillir.
Alléluia. L'eau de ta source doit jaillir, afin que les autres qui sont tout autour de toi puissent aussi en bénéficier. Comme je l'ai dit, Dieu n'est pas égoïste. Ce n'est pas par hasard que Dieu veut te faire une source de bénédiction. Ce n'est pas par erreur que Dieu t'a appelé dans ces lieux pour que tu sois une source de bénédiction. Si tu ne l'es pas encore, maman, aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, deviens une source de bénédiction. Amen. Parce que la volonté de Dieu est que toi, tu sois une source. Non seulement que tu sois béni, mais tu deviennes une source. Amen. Parce qu'il y a une très grande différence entre être béni et être une source de bénédiction. Aujourd'hui, Dieu peut me bénir. Aujourd'hui, Dieu peut me donner à manger. Dieu peut me donner le pain. Je peux manger, bien-aimé, mais demain, j'aurai encore faim. Mais si je suis une source de bénédiction, je vais commencer à produire le pain pour les autres, non seulement pour moi, parce que moi, je vais manger le pain, mais les autres aussi vont en bénéficier. Amen. Amen, amen. Donc, nous sommes bénis pour bénir aussi les autres. Comme Dieu n'est pas égoïste, ne sois pas égoïste non plus. Dis à la personne qui est à côté de toi que je suis béni pour bénir. Je suis sauvé pour sauver, béni pour bénir. Amen, amen. Dieu m'a béni pour bénir. Alléluia. Dans ce passage bien-aimé, Dieu a dit à Abraham, il a dit, sors de ton pays. Sors de ta maison. Sors de la maison de ton père, de ta patrie, de là où tu es, et va dans le pays où je te montrerai, et là, je te bénirai. Amen. Amen. Dieu l'a ordonné de sortir. Dieu l'a commandé de sortir. Il lui a dit, sors d'abord, commence d'abord par sortir. Sors d'abord, va dans le pays où je te montrerai, et là, moi, Dieu, je te bénirai. Amen. Amen. Abraham n'avait pas encore de l'expérience avec Dieu. Alléluia. Un Dieu que je ne connais pas me dit, sors Laurette, va dans un pays, va à Suisse, quitte Glasgow et là je te bénirai. Ah Seigneur, comment vraiment tu peux permettre que j'abandonne ma famille, que je laisse mes enfants, mon mari, pour venir dans un pays que je ne connais pas? Seigneur, je n'ai même pas encore d'expérience avec toi. Je ne te connais pas tellement encore, Seigneur, mais je crois à la promesse. Amen. Abraham a cru à la promesse. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui croit aussi à la promesse? Est-ce qu'il y a une maman qui croit à la promesse de Dieu? Parce que la bénédiction d'Abraham, la promesse d'Abraham est aussi ta promesse. Dieu a dit à Abraham, sors d'abord. Sors d'abord. Tu es une source de bénédiction, oui. Je veux te bénir, oui. Je vais te rendre célèbre, oui. Mais commence d'abord par sortir. Alléluia. Commence d'abord par sortir. Dieu te dit cet après-midi, sors de là où tu es. Sors de là où tu es. Sors de la distraction, de l'ignorance, maman. Sors et attache-toi à ton Dieu. Pour être une source de bénédiction, bien-aimé, Abraham est sorti. Il s'est attaché à un Dieu qu'il ne connaissait même pas, qu'il n'avait pas encore d'expérience. Pour être une source de bénédiction bien-aimée, Abraham a accepté de tout abandonner. Il a accepté de laisser son confort. Il a accepté d'abandonner sa famille, de tout laisser pour s'attacher à un Dieu qu'il ne connaissait pas. Bien-aimé, cet après-midi, je suis venu dire à quelqu'un que ton Dieu veut que tu abandonnes tout. Tu laisses un peu ton confort afin de te connecter à lui, afin de t'attacher à lui. Et là, il te fera une source, bien-aimée. Tu deviendras une source. Quitte l'ignorance, bien-aimé. Cherche à se connaître, cherche à apprendre, cherche à savoir. La Bible nous dit que le manque de science n'est bon pour personne. Il veut que tu connaisses, que tu comprennes. Le Dieu qui a donné l'intelligence à Salomon, il peut aussi te donner de l'intelligence. Il peut aussi faire une chose dans ta vie, bien-aimé. Mais cet après-midi, il veut seulement que tu te connectes à lui. Connecte-toi à la véritable source. Connecte-toi à Jésus-Christ de Nazareth cet après-midi. Parce qu'il est capable de te transformer. Il est capable de te sauver, de changer ta vie, de faire de toi une nouvelle créature. Abandonne un peu, oh bien-aimé, ton confort. Abandonne un peu les amis, les Suisses Télécom, je ne sais pas quoi que vous appelez ici. Mais attache-toi à Dieu. Parce qu'il y a des femmes à qui ils gaspillent leur temps. Parce que moi j'appelle ça gaspillage, bien-aimé. Nous gaspillons notre temps.
au téléphone, 1 heure, 2 heures. Pourquoi même? Amen. Pourquoi? J'ai des choses à faire. Il y a des choses plus importantes. Amen. Si tu m'appelles, tu as quelque chose de très important à me dire. Gloire à Dieu. Mais si c'est seulement pour les commérages, je suis désolée. Seigneur, on dit sorry. Oh. Non, merci. Aujourd'hui, abandonne un peu tout cela. Attache-toi. Attache-toi à Dieu. Il peut te délivrer, bien-aimé, même de l'impudicité, même de la sorcellerie, de l'envoûtement, bien-aimé. Attache-toi à Dieu. Quitte un peu tout cela, bien-aimé. Quitte le péché. Le péché emmène à la mort. Attache-toi à Jésus, car il est la vie, car il est capable de te sauver, de transformer ta vie, non seulement de te sauver, de te sauver aussi ta famille, de sauver aussi tes enfants, de sauver aussi ta maison, bien-aimé. Alléluia. Dieu veut te faire du bien cet après-midi. Alléluia. Moi, Jésus m'a sauvé. Moi, Jésus m'a délivré du péché. Amen. Jésus m'a délivré, bien-aimé. J'ai nagé dans le péché. J'ai nagé dans le péché. Mais c'est Dieu, bien-aimé. Si tu t'attaches à lui, si tu t'attaches à lui, le Jésus que je viens te présenter cet après-midi, bien-aimé, il n'est pas seulement le Jésus de l'histoire, mais il est véritable. C'est un Dieu grand, puissant, capable d'opérer de grandes choses dans la vie d'une personne. Là où les gens avaient mis un point, Jésus m'est vergué. Alléluia. Mais aujourd'hui, il te dit une chose. Change seulement ta position. Parce que lui, il veut changer ta situation. Commence à changer ta position. Attache-toi à la source intarissable. Cette source qui ne tarit jamais. La femme samaritaine a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme qui a soif? Soif de cette eau qui coule dans le sang de Jésus. Alléluia. Jésus veut te délivrer. Jésus veut te faire du bien. Mais aujourd'hui, sois seulement connecté. Il te demande d'être seulement connecté. Amen. Étant une source de bénédiction, maman, je dois savoir qu'est-ce qui se passe tout autour de moi. Je dois veiller à ce que mes enfants prospèrent, à ce que mon mari prospère. Je dois veiller, maman, à ce que moi-même aussi je prospère. Parce que mon temple est le temple, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je ne peux pas détruire mon corps parce que c'est un péché. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, maman. Je ne suis pas là pour vous parler du péché aujourd'hui. Amen. Mais si tu ne manges pas bien, alléluia. Parce que nous tous, nous voulons avoir une belle taille. Hein? Alléluia. Ah, moi aussi. Amen. Mais maman, il ne faut pas te priver. Amen. Il ne faut pas te dire que non, moi, je vais sauter les repas. Le matin, je ne mange pas. À midi, je ne mange pas, je vais manger que le soir.